Alors, compte tenu de l'histoire de son importance et du rôle majeur que Richard Pierrepoint a joué dans l'histoire militaire des Noirs au Canada, il m'a paru important donc de revisiter son histoire et de la partager avec notre public, en insistant sur sa genèse, sur comment il est venu dans les Amériques, comment il s'est retrouvé au Canada, quelles sont ses réalisations, etc. Alors, je dois rappeler qu'il est né vers 1744 dans l'est du Sénégal, dans un état théocratique peuple musulman appelé le Mundo, qui d'ailleurs porte le nom jusqu'à aujourd'hui. C'est un état donc au nord-ouest du fleuve Gambie, légèrement à l'intérieur des terres par rapport à l'océan Atlantique, mais qui fait partie aujourd'hui du Sénégal. C'est là où donc les populations qui sont parfois des nomades, parfois aussi des sédentaires. En tout cas, c'est là où ils menaient une vie trépidante, faite d'activités extrêmement variées. La région s'étend sur plus de 30 000 km² et abrite une population qui pouvait atteindre plus de 30 à 40 000 personnes à l'époque. De la fin du XVIIe au début du XVIIIe siècle, les populations de ce royaume subissent des décennies de guerre et de troubles. En 1760, alors le contexte est important parce que 1760, c'est la date qui marque la fin de la guerre de 7 ans. Et c'est cette guerre qui a vu la fin de la Nouvelle-France ici au Canada et la reprise donc du Canada français par les forces britanniques. Cette guerre de 7 ans, elle a aussi ses impacts en Afrique, notamment donc pour la colonie, en tout cas le territoire sous contrôle français à l'époque, qui s'appelait donc Saint-Louis, et quelques possessions comme par exemple l'île de Gorée. Donc Saint-Louis va retomber sur la possession, donc va être pris par les Anglais. Et c'est pendant cette période donc que Richard Pierrepoint a été capturé comme esclave. À l'époque, il avait 16 ans. Donc en 1760. Il est donc probable qu'il ait été vendu à Fort James, hein, sur la côte, par les négociants anglais. Donc Fort James, c'est dans l'actuel Gambie, donc qui est un pays anglophone coincé à l'intérieur du Sénégal. Donc il est parti aux États-Unis actuels, notamment en Virginie, parce qu'il a été acheté par un officier anglais. Donc lui, il va être un esclave domestique, ce n'est pas un esclave des plantations. Donc il va vivre dans la demeure de cet officier-là. Il va y demeurer esclave pendant près de 20 ans. Et puis il va donc prendre le nom de son maître. On ne mentionne pas son nom africain d'origine, mais ils disent que lui-même qu'il appartient à caste des griots. Les griots donc étant... ce que les Africains appellent Djeli, si c'est pour les Mandingues, les Gaoulos, si les Aouloubé, par exemple, pour les peuples dont il est originaire. Alors donc, Pierrepoint va vivre donc pendant 20 ans comme esclave domestique en Virginie. Et la guerre d'indépendance américaine va être déterminante dans son histoire, comme beaucoup d'autres aussi. Donc, les circonstances exactes dans lesquelles Pierrepoint se retrouve la liberté ne sont pas très détaillées. Toutefois, il semble que la guerre d'indépendance donc est à l'origine de ce bouleversement. En effet, en 1775, le gouverneur royal de la Virginie accorde dans toute la colonie la liberté à tous les esclaves appartenant à des propriétaires américains. Donc,
on suppose que Pierrepoint donc fait partie de ces gens qui vont être intéressés par cet appel-là. Donc si l'on suppose que son maître faisait partie des officiers britanniques restés fidèles à la couronne, il est bien possible qu'il soit donc vu accorder la liberté s'il acceptait de servir au sein des forces loyalistes. Le 30 juin 1779, le général de l'armée britannique Sir Henry Clinton publie la Phillipsburg Proclamation, un document qui promet la liberté à toutes les personnes réduites en esclavage par ce qu'ils appelaient les rebelles américains, mais qu'eux, ils s'appellent les patriotes, donc ça dépend de qui parle. En 1780, Richard Pierrepoint est inscrit comme pionnier dans le Battle Rangers, une unité loyaliste. Cette même année, il stationne avec ses Rangers dans la région de Niagara, donc dans l'actuel Canada, du côté donc de Saint-Catherine, où l'unité est engagée dans une guérilla contre les rebelles américains. Pendant la guerre, il est lui-même probablement en poste à Fort Niagara. En 1784, donc là, la guerre d'indépendance américaine est terminée. Pierrepoint se trouve dans la région de Niagara. Il est libéré avec les honneurs. Il est inscrit sur une liste de colons dans la région avec d'autres camarades de son unité. En 1791, il reçoit 200 acres de terre et une superficie identique à celle accordée donc aux officiers et deux fois supérieure aux simples soldats. Ceci, c'est dans le canton de Graham, aujourd'hui dans la région de Saint-Catherine, en Ontario. Le 29 juin 1794, Pierrepoint signe la pétition of Free Negroes, pétition donc des nègres, des noirs libres, avec 18 résidents noirs du Haut-Canada. Certains chercheurs estiment qu'il aurait lui-même rédigé cette pétition. Elle est adressée au lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe, le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, qui était un anti-esclavagiste. Peut-être qu'un jour on reviendra sur l'histoire de Simcoe. Elle traduit la réalité donc à laquelle étaient confrontés plusieurs des premiers Noirs installés au Canada. Peut-être parce qu'ils rencontraient des difficultés à déchiffrer seules les terres qui leur ont été accordées et à leurs exploits. Les pétitionnaires, dont beaucoup sont d'anciens soldats, tandis que d'autres sont nés libres, demandent aux autorités la liberté de se regrouper en communauté afin d'être en mesure de travailler collectivement au défrichage de leurs terrains respectifs. Ils demandent spécifiquement la possibilité de fournir une assistance relativement au travail à ceux d'entre eux qui le souhaitent le plus. Outre le désir de vivre en communauté, la pétition formule explicitement le souhait des signataires d'avoir l'autorisation de vivre sur un ensemble de parcelles de terrain séparées à celles des colons blancs. Cette requête donne à penser que ces hommes doivent faire face à des problèmes allant au-delà du simple isolement. Il est vraisemblable que les loyalistes et les colons noirs se sont confrontés au Canada colonial, se sont confrontés aux préjugés des colons blancs et à la discrimination. Le Conseil exécutif du Haut-Canada entend la requête le 8 juillet 1794 et rejette la pétition refusant de séparer la communauté noire donc de la majorité des colons blancs. Richard Pierrepoint réussit à défricher sa terre et reçoit ses lettres de patente le 10 mars 1804. Toutefois, il vend ses parcelles deux ans plus tard, le 11 novembre 1806. Désormais âgé de 60 ans, il demeure dans la région de Niagara où il travaille comme ouvrier ou comme agriculteur. Alors, il va encore s'illustrer une deuxième fois, ça va être pendant la guerre de 1812. Le contexte de la guerre ne peut pas être rappelé ici, c'est une guerre qui s'est déroulée en Europe provoquée par Napoléon. Mais qui a eu des répercussions donc en Amérique du Nord parce que les États-Unis ont voulu saisir cette occasion pour envahir le Canada. Et faire mal à la Grande-Bretagne parce que le Canada était, comme je le dis, une colonie britannique à l'époque. Lorsque éclate la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis en 1812, Pierrepoint avait 68 ans.
Il était donc âgé et ne pouvait pas être un soldat comme les autres, mais il réclame toutefois le leadership militaire pour la création d'une milice composée exclusivement de Noirs afin de combattre aux côtés des Britanniques. Peu après, il rejoint le Corps of Colored Men du capitaine Robert Runchie. Il va participer donc à ce corps-là, qui deviendra plus tard le Color Corps. C'est une milice comprenant uniquement donc des personnes donc noires libres qu'on appelle color, mais c'est des noirs en réalité. Donc simple soldat du 1er septembre 1812 au 24 mars 1815, Pierpoint est engagé dans l'action avec la Color Corps lors de multiples batailles. Il va vraiment participer malgré son âge. Il combat lors de la bataille des hauteurs de Kingston, au cours de laquelle le Karako fait partie des premiers renforts arrivés en soutien aux guerriers des Six Nations. Donc les Six Nations, c'est la nation autochtone Haudenosaunee, composée par les Seneca, les Mohawks, etc., qui était une grande confédération en Amérique du Nord, entre le Canada et les États-Unis, qui prouve que les populations autochtones avaient de grandes civilisations ici, en Amérique du Nord, comme ils l'ont en Amérique centrale, les Aztèques, les Mayas, les Incas, et donc au Sud. Une partie aussi peu connue de l'histoire du pays. Donc, en tout cas. Après la bataille de Fort George, le 27 mai 1813, le Color Corps appuie les troupes britanniques lors de la bataille de Stony Creek à partir de Burlington, à près de 13 km de là. Donc, après la guerre, Pierpoint essaie de militer pour la cause des Afro-descendants au Canada. Donc le 19 janvier 1820, en reconnaissance à sa contribution au cours de la guerre de 1812, on va encore accorder 100 acres de terre à Pierpoint le long de la rivière Grand, dans le canton de Garafraxa, à proximité de Fergus, en Ontario. Alors qu'il avait donc plus de 70 ans maintenant, beaucoup plus, il vit toujours et éprouve des difficultés à assurer sa subsistance en tant qu'ouvrier. Le 21 juillet 1821, il demande au gouvernement du Haut-Canada, à York, donc qui va devenir la ville de Toronto actuelle, à être aidé pour retourner en Afrique de l'Ouest. Donc Pierpoint veut qu'on lui donne la possibilité de retourner dans son Sénégal natal, dans son Kundu natal. Dans sa pétition, il dit qu'il est avant tout désireux de retourner dans son pays natal. Toutefois, le gouvernement colonial ne donne pas suite à sa demande et accepte la terre qui lui est proposée à Garafraxa. Sa présence y précède la création donc de la colonie de Fergus. Pierpoint réussit en 1825 à remplir les conditions de la colonisation pour la parcelle qui lui a été octroyée, probablement avec l'aide d'un jeune homme beaucoup plus donc jeune qui pouvait l'aider. Son nom c'est Dave Moses. Certains récits aussi décrivent cette terre à Garafraxa comme un endroit où les Canadiens noirs peuvent s'installer, peu importe s'ils étaient des personnes fuyant l'esclavage aux États-Unis par le chemin de fer clandestin ou pas. Donc il faut rappeler que l'esclavage continue de belle aux États-Unis, même s'il s'estompait au Canada jusqu'à la fin de la guerre civile aux États-Unis. Donc il y a des gens qui suivent le chemin de fer secret pour venir au Canada. Et Pierpoint fait partie des Afro-descendants de l'Ontario qui accueille, donc du Haut-Canada qui accueille ces gens-là. Il va aussi donc s'illustrer par la pétition donc, que j'avais signalée, de Petition of Negroes. Alors pourquoi donc c'est important de rappeler? Aujourd'hui encore, on a l'héritage de Pierpoint. D'abord, il est décédé au cours de l'hiver 1737-1738. Donc c'est une date chargée d'histoire, puisqu'il y a eu deux grandes révoltes dans l'actuel Ontario et dans l'actuel Québec, dans les Hauts et Bas-Canada. Donc la rébellion de Mackenzie qui voulait faire du Haut-Canada un pays libre et indépendant, sortir de la domination britannique. Donc on peut faire comme les États-Unis. De leur côté, la révolte donc, nationaliste identitaire du Bas-Canada, l'actuel Québec, qui voulait aussi être indépendant et sortir de la domination britannique. Donc c'est pendant cette année de guerre-là, au Canada, que Pierpoint est décédé.
Alors, il laisse derrière lui ni famille, ni héritier. Il ne s'était pas marié, il n'a pas d'enfant, donc on n'a pas sa descendance. Ses biens furent légués à Lemuel Brown, du canton de Grantham. On ne connaît pas le lieu de sa sépulture non plus. Selon la tradition orale de la communauté afro-canadienne, Richard Pierpoint était un conteur aussi de talent. Il racontait aussi dans la tradition africaine, notamment des griots de l'Afrique de l'Ouest. Il parcourait le Haut-Canada en compagnie donc du jeune dont j'ai mentionné Diff Moses pour raconter des histoires aux membres des communautés noires de la région de Niagara et de Karafraxa. On dit que chaque fois il sortait une sorte d'un petit caillou, d'un petit sac qu'il gardait avec lui avant de lancer son récit. À la fin de sa vie, il avait amassé les expériences personnelles et bien d'autres expériences encore plus étendues d'autres membres de la communauté. Pierpoint laisse derrière lui l'héritage d'un responsable communautaire au premier temps de l'installation des Noirs au Canada qui s'étaient battus et avaient soumis des pétitions pour les causes qu'il jugeait importantes pour sa communauté et pour le pays dans son ensemble. Ces pétitions donnent l'image d'un homme arraché à son pays et réduit en esclavage alors qu'il était encore adolescent. Un homme ayant combattu pour sa liberté lors des deux guerres, donc celle de la guerre d'indépendance américaine et la guerre de 1812, ayant travaillé sans relâche pour bâtir une communauté noire dans un contexte de préjugés et de discrimination au Canada. En 2013, le gouvernement du Canada a nommé un bâtiment fédéral à London, en Ontario, édifice Richard Pierpoint, en reconnaissance de sa contribution dans le cadre du Color Corps et lors de la guerre de 1812, mais toute sa participation en tant que grande personnalité canadienne d'ascendance africaine. Voilà, telle était donc l'histoire du griot du Bondou, Richard Pierpoint, que vous pouvez trouver. Il y a quelques livres écrits sur lui en anglais. Il est également dans mon livre « L'histoire oubliée de la contribution des esclaves, les soldats noirs à l'édification du Canada, 1604-1945 ». Il y a des films et des documentaires sur YouTube qui sont sur lui. Il y a des sites, etc. Donc, il fait partie aussi de nombreux afro-descendants qui ont marqué l'histoire du Canada. Donc, dans la deuxième partie, je vais passer à la grande dame dont j'ai mentionné tout à l'heure le nom, Chloé Cooley. À tantôt.